Surveillez vos petits coupons. On a des belles calottes badoiseurs. Et je sais qu'il fait froid un peu. Je sais qu'il y a peut-être de bonheur un peu, mais c'est vous autres qui avez. Go, Kim! Ah, après c'est tout ça. Ça, c'est la finale d'au 13-17. Et après ça. On va déjà. On croise la police, on vous assassine. Ils vous connaissent. Non, non, non. Et c'est une demoiselle qui connaît le old shot de chez nous. Jeune 13-17 ans. Mais là, on va regarder le jeune Hugo. Hugo Lemay de Saint-Ferdinand. Lui, c'est la bataille tout le temps dans ces courses-là. Avec le K2000. Go, Kim! Kim Marais, c'est la fille à Pochu. Pochu, c'est ce gars qui chauffe le dos et qui jette les autos. Donc, Kim Marais, de 14 ans, dans la classe de 13. C'était la finale depuis la fin de la minute du championnat. Au début, il était un petit peu plus loin. Hier, on avait quand même une dizaine de jeunes dans ce gang-là. Et la gang 13-17 cette année, la classe relève. C'est plus pas mal dans les courses au championnat. Entre 10 et 15 jeunes pour une première année. Donc, c'est un beau succès pour cette classe-là. Aujourd'hui, il en restait 7 en attente. Il y en a autorisé. On a 2, 4, on a 4 en finale. Woohoo! Et là, c'est Kim Marie qui est retourneuse de taux jaune. Derrière, c'est le 46-14 Hugo Lemay. Pour la deuxième pour l'instant. Et le 525, c'est Danick Dernet, qui est en troisième. Go, le pilote! Go! Ok! Wouh! On va avoir un show spécial. Il y a tout le temps une nouvelle spéciale ici aux courses. De la course d'auto-obstacle de Saint-Fer. Là, on va avoir une confrontation de chaud boucan entre la Mustang de 300-400 forces de moteur qu'on avait hier sur le bloc, qui était épouvantable, contre un Duramax que lui, il faisait l'arrache qu'il fait des chaud boucan. Il en a fait déjà quelques-uns, de le voir, les grosses pipes, les gros pick-up qu'il y a ici. Dernier tour, dernier tour de piste, le K2000. Woo! En position de tête depuis le début. Elle a mis cette course de bout en bout. On a connu le haut shot et la première à le virage 1 et le plus en elle est en première position, mais on est quand même pas loin là, pour Hugo Lemay. Gars de Saint-Fer. Donc les gens de Saint-Verslet, est-ce qu'il y a des gens de Saint-Fer ici? Tout le monde extérieur! Oh, chercher cette place pour ça, c'est terrible. On s'en met, là, on s'en met, pour Kim Marin qui vient chercher la victoire pour le 13-17 aujourd'hui. On s'est bien rapproché par le drift. Hey, grâce à Damien, Hugo Lemay, qui vient chercher une belle deuxième, troisième, le 500. Elle veut le rapport d'Amie qui a fait ça. Danick, donc, le défi, dans le fond, c'est pas compliqué. Le pick-up. Duramax, le pick-up gris. Sérieusement? Lui, enlevé des 7 de ta hanche. Vous allez voir, c'est assez hallucinant de voir un show de boucan avec ce pick-up-là. Là, il lance un défi au gars qui faisait des shows de boucan hier avec la Mustang. Ça l'a impressionné. Il a descendu son truck aujourd'hui pour battre la Mustang en show de boucan. Et la Mustang, c'est Jean-François Morin. C'est pas un gars qui a fait des défis normalement, faut pas le craquer bien fort. Il y a un fil qui se touche, c'est pas long. Donc, soyez sûr qu'on va avoir une confrontation écœurante, mémorable entre le pick-up 4x4, vous allez voir. Tour d'honneur, bien sûr, oui, les finales aujourd'hui. Tour d'honneur du vainqueur pour ceux qui vont remporter les finales. Thank you.
Prochaine finale et non la moindre, les femmes sont sur la ligne de départ. Le 19A, c'est Anne-Marie Lapointe. Le 70.4, France Poilard. Le 231, Vicky Drouin. Et lui, c'est Vincent Bougane, qui a quelques minutes.